Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion de course. L'UTMB, c'est véritablement une course de gestion. Il va falloir anticiper. Anticiper, c'est vraiment un maître mot, tant pour la gestion de l'effort que pour la gestion de l'alimentation, la gestion du sommeil, pourquoi pas, et en tout cas, la gestion des pauses. Alors, pour la gestion de l'allure ou de l'effort, en particulier, je voudrais vous parler du départ ou des premières heures de course. Il y a des grandes chances que vous partiez trop vite. Donc il faut vraiment être conscient de ça à cause de cette émulation, à cause de l'ambiance. Et on oublie qu'on va faire un ultra. Et il faut vraiment, vraiment avoir l'impression d'aller doucement comme dans une longue promenade sportive. Je vous parlais de l'anticipation, ce mot important. Il va falloir s'alimenter très, très vite. Il ne faut vraiment pas attendre d'avoir faim ou d'avoir soif. Ça, c'est une évidence, mais pensez-y sans arrêt. Et puis l'anticipation sur les pauses. Donc ça, c'est vraiment ma petite bille que je voudrais vous amener dans la gestion. C'est qu'il faut toujours savoir que l'on va arriver à un ravitaillement. Donc on arrive au ravitaillement, mais avant, on sait dans quel état on est, on sait de quoi on a besoin, on sait ce qu'on va faire et dans quel ordre. Et ça va nous prendre peut-être 5 minutes, mais on le sait à l'avance. 10 minutes ou 15 minutes, qu'importe, ça peut même durer une heure, parce qu'une pause c'est important, ça fait partie de la réussite. J'appelle ça la pause utile. Voilà, c'était mon conseil du jour, et demain nous parlerons du mental.